Après, il est pas si horrible que ce que je pensais niveau gameplay, mais j'ai pas vraiment fait les donjons pour l'instant. Enfin, le peu que j'ai fait, tu sentais que c'était crescendo en termes de difficulté, donc... Si, si, le 1 est horrifique. Il a une histoire très sombre et très triste. Au niveau de son histoire, Alundra 1, il est trop trop bien. Par contre, les plateformes et les donjons sont beaucoup plus discutables. Il faut être hyper patient, regarder une soluce, enfin... Alors, Omega, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle me disait, Omega? Qu'est-ce que je devais faire? Le visage caché se souviendra du visage qui n'est pas caché, c'est super. On avait retrouvé la princesse ou pas? Ah oui, je me souviens. J'ai combien de sous? J'ai été chercher une arme, j'avais fait les épreuves et ensuite j'étais repartie sauvegarder. Donc normalement, la suite du jeu, c'est aller au manoir de la princesse. On a tué la légende, ouais, c'est un peu ça. En vrai, elle est très très dure, Alundra 1. Les plateformes 3D, elles sont un peu aléatoires, donc... Voilà, fallait qu'on aille... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oula! Ah oui, je peux voir le décor. On va peut-être éviter. Passer de plateforme RPG à plateforme... Ouais, carrément. Est-ce qu'on va avoir une cinématique, histoire que tu comprennes? Les cinématiques, elles illustrent très très bien mes propos. Oui. Bon, pouvons-nous commencer? Oh, tu es toujours aussi ravissante. Ah, Ruby. Oui, maman. Puis-je entendre ton rapport, s'il te plaît? Oui, maman, bien sûr! Vois-tu, papa se comportait comme un crétin et il n'écoutait pas ce que j'avais à dire. Et ce type Flynn est apparu et a commencé à se battre avec papa. Alors papa a fait waouh! Je vois. En clair, vous avez mis la pagaille et vous n'avez enquêté sur rien. Je me trompe? Ruby! Ruby? Oui? Viens avec moi. Là, ça va. Là, ça va. On a eu le droit à de la drague très lourde et tout. Non, mais vraiment, hein, c'est... Mais en gros, c'est pour vous dire que Alundra 1 n'a rien à voir avec le 2. Mais moi, j'aime bien. En vrai, c'est nanar, mais ça me fait rire. Mais en même temps, c'est cringe. Mais en même temps, t'es là, tu fais... Oh, jusqu'où ils vont aller, en fait? On est... En fait, à un moment donné, tu souffles et tu sais plus quoi faire. Et tu te laisses faire, en fait. Tu dis, bon, bah, de toute façon, voilà, quoi. J'ai pas le choix. Entre si tu veux, moi je déteste cet endroit, ils me donnent les jetons. Les jetons. Les jetons. Ah, ils auraient dû renommer en jetons. La vraie session? Ouais, la vraie session. Bah, je l'ai mise ce week-end d'ailleurs sur Twitch. Hop, tout est là. Passage secret vers le manoir. Eh ben, impeccable. J'ai pas chapitré pour l'instant, mais salut Dertis!
Mais tout est là. Là, faut que j'uploade... faut que j'uploade la deuxième partie, je crois, d'Alundra 2. Non, je l'ai mise ce week-end, je crois. Oh, je sais plus. Je crois que je suis à jour. Paf! Salut, Usei. Salut, je sais plus, Dertis, bonjour. Oula. Après, les OST, là, en vrai, c'est clairement OST de... OST d'Alundra, pour les donjons. La petite ambiance Alundra, tu... C'est bon? Allez, viens, mon grand. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'es bon? Après, il y a des mini-jeux et tout, enfin... C'est quoi l'histoire du 1? Alors, en gros... vraiment en gros du gros pour pas te spoil... Il y a un méchant, en fait, tu dois rentrer dans les cauchemars des habitants pour les sauver. Parce qu'en gros, il y a un méchant qui les tue à travers leurs cauchemars. Voilà. C'est vraiment le gros du gros, sans te spoil de pourquoi les cauchemars, pourquoi, qu'est-ce que quoi. Oh non, faut que je refasse le truc de la boule qui doit me suivre. Non? Ah non, c'était juste un piège, ok. Ok. Tu vois, la Xbox, elle a du mal des fois à suivre. Ah, ça reconnaît bien. Ah, ça, c'est Alundra. Ça, c'est très Alundra. Ah, oh, il y avait un piège. Bah oui. Il y avait un petit prank. Ah, je me suis... Oh. J'ai failli glitcher à moitié. Voilà. Ok, c'est bon. Ça va. On est surentraîné maintenant sur de la plateforme. Hein. Surentraîné. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que je pouvais faire des trucs, des pièces de puzzle. Genre comme ça. Et paf! Ah, les petits Saturnes qui donnent un peu de vie. Ah, je sais pas, Pony disait que c'était quand même assez, assez chaotique par moment. Pony a fait le jeu avant que je le lance et du coup disait que ouais, il y avait des phases où c'était vraiment galère. Mais que il avait bien aimé.
Bah, nous, c'était le challenge des 5000 followers, donc en vrai, let's go, hein. On a atteint le dernier palier objectif Twitch. En vrai, Landstalker, c'était chaud. Ouais, c'était chaud, Landstalker, t'as raison. Ouais, mais au moins, je suis contente. Je me dis, au moins, j'arrive à faire des jeux comme ça, tu vois. Moi qui suis pas très forte dans les jeux vidéo. Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? Bah, je suis passée, là. D'accord, fallait juste que... Ok, des fois, la porte, elle s'ouvre quand tu fais une énigme, et des fois, c'est à toi de l'ouvrir manuellement. Ok, c'est pas grave. C'est... Tout va bien. Je finis... Ouais, mais c'est des jeux qui sont pas insurmontables, tu vois, Mika. Je fais pas de Dark Souls, de machin. Enfin, j'y joue pas en stream, par exemple. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça match. Je sais pas pourquoi il a foncé dans le mur alors que j'y étais même pas. Oh, la hitbox! Salut Shinkoryu, pas de soucis, t'inquiète pas. Derrière. C'est où qu'il faut que je le touche? Attendez, j'ai déjà joué à Monster Hunter. Ce genre de mob. Ah, il reste un PV! Faut lui couper la queue. Le vieux coup que je me suis pris. Arrête ! La hitbox ! Bon, bah, j'ai de la vie après. Je voulais juste voir avant. Luigi's Mansion, il paraît qu'il est bien, ouais.
Bah, c'est son champignon, le point faible de ce que je vois, mais le problème, c'est que sa hitbox, elle est affreuse. Après, tu me diras, j'ai des attaques spéciales. Est-ce que si j'essaye... Je peux rien faire. Bah oui, mais le temps que j'essaie de charger mon coup... Ouais, je me prends quand même un coup. C'est affreux. Alors attends, sinon j'ai une magie. Je sais plus c'est quoi la touche pour la magie. Ouais, l'araignée était gratos. Je peux pas le toucher. C'est le rouge mage. Tu vois, dès que j'essaye de le... Ah, il y a un placement, mais genre précis. Ouais, c'est hyper précis le placement. Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Salut Booba. Salut, salut Tidros. C'est random. Les coups sont random. J'en peux plus. J'en peux plus, mais c'est random. En fait, là, je me soigne pas et tout parce que j'essaie de comprendre le pattern du boss. C'est random. Random. Bah, je sais même pas, Tidros. J'ai même pas l'impression. Son point faible, c'est la patte arrière droite. Élixir. En plus, tu vois, on me donne un élixir comme s'il craignait la magie, tu vois. Sauf que j'ai essayé de faire de la magie... Oh là là, la cata. Hop là. Il faut de la craie avec des herbes de Provence. Je crois pas avoir ça dans mon inventaire, malheureusement. L'éconazole, ça marche bien aussi, tu vois, mais c'est pas pour le même type de champignon. J'arrête. C'est blague médicale. Chimicologue. Bon. On a fini Shame Legacy, c'est pas ce jeu-là qui va me résister quand même. J'ai même dit que j'avais finalement envie de jouer à Alundra aujourd'hui, suite à Shame Legacy qui était incroyablement difficile. Donc c'est pas un Monster Hunter, faut pas lui couper la queue.
Ok, j'ai trouvé... regardez, j'ai trouvé un spot. Bah oui, bah écoute mon grand Ralpa, hein, tu triches, je triche, hein. Ça, ça me vire quand même, hein. Oh, c'est trop chaud. Arrête, mais lève-toi. Vas-y, on va prendre un tonique. Je commenterai pas ce que je viens de faire. Bon. Voilà. Alundra. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que les pièces, tu pouvais ne pas toutes les récupérer parce qu'à un moment donné, elles disparaissaient. Genre, t'as une récompense, mais dépêche-toi quand même, quoi. Ça, c'est 25, par contre, c'est pas mal, hein, en termes de vie. Hein. Bah ouais, ça te rend greedy, parce que du coup, tu sais que t'as pas le temps. Ok. Crotte. Non! Il a mal glitché. Arrête! Ouh. Désolé, mais personne n'a le droit d'entrer pour le moment. Écoute, je viens de faire un donjon avec un alligator Fingus, là. Tu vas pas m'embêter, hein. Lady Milena attend un invité aujourd'hui. C'est moi. Comme ce n'est pas prévu, personne n'a le droit d'entrer ou de sortir du manoir. Mais c'est moi, l'invité. Arrête. Par contre, j'ai pas été récupérer la pièce de puzzle dans le donjon. C'est quoi ça? Ah, c'est la sortie du manoir du château. Ok. Entre si tu veux, moi je déteste cet endroit, il me donne les jetons. Ah oui, bah du coup... Mais pourquoi j'ai fait le donjon alors? Pourquoi j'ai fait le donjon? Il y avait une pièce de puzzle, je crois, là. Mais est-ce que, du coup, ça reset le donjon ou pas? Pour le boss? Ouais, mais le boss, ça a servi à quoi? C'est tout? C'était genre... pas obligatoire? Mais...
Mais... Bon, je retourne là-dedans, alors. Je vais aller voir si je peux trouver la pièce de puzzle en même temps. Là, tu vois, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'était, là? Ah, tu vois, j'y suis pas allée, ici. Alors, peut-être... Oula, calme-toi, le jeu vidéo. Je sais plus ce qu'il fallait faire sur ces statues. Terrible. Il n'y avait pas un autre truc à faire pour casser les... Non, bah non. Elles sont pas cassables, les jarres, pour le moment, c'est ça? Faudra revenir plus tard. Ah, mais tu vois, c'était pas fini le donjon, en fait. Salut Pony, on a déjà fait notre liste de souhaits en début de stream. Si tu veux en rajouter. 16h en plus, moi j'aurais fini le stream depuis un moment, donc trop bien. Ouais, tu vois, et là c'est bloqué, et là je pense que plus tard je reviens ici. Bah, Alundra était très comme ça aussi, Abyssio. T'avais besoin d'objets ou de magie exprès pour te débloquer, tu pouvais y revenir plus tard. Ah, tu seras au boulot. Ok, voyons voir alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah bah voilà, il y a mon fameux puzzle. Les pièces de puzzle, c'est un peu comme les griffons de Alundra 1. Faut que tu récupères des pièces de puzzle pour activer de nouvelles compétences avec ton épée. Ton jeu m'endort. Dis plutôt que c'est moi qui suis ennuyeuse. Ah merde. C'est toi qui m'endors. Voilà, je savais, bah oui. Oh, je suis coincée. Ah, faut que je les tue pour redébloquer le... Bon, en vrai, je le prends pas mal, hein. Si vous arrivez à vous endormir devant mon stream, c'est que je suis suffisamment calme et vous êtes suffisamment détendu. C'est moi, c'est horrifique. Non, mais en vrai, ça me va. J'aime bien avoir ce rôle de je m'endors devant le stream, parce que moi je fais pareil chez les streamers calmes. Paf! Ça marche, bonne app! Si tu peux parler un peu moins, c'est à moi qui me réveille. Non! Oula! Ah bah oui! Ah bah super! Mais c'est quoi ce... Mais non, mais il y a des dégâts que je me mange des fois, c'est injuste! Là, je l'ai très mal pris et je vais très certainement aller pleurer juste après le stream en repensant à ces paroles horribles. Il s'est passé un truc là. Mais qu'est-ce que c'est que ces mobs? Qu'est-ce que c'est que ces mobs?
J'aime Shime, mais j'adore Shin Megami Tensei, j'adore. J'en ai pas fait des mille et des cents, mais je kiffe. Je suis sur le 3 que j'ai mis en pause pour l'instant, le temps de terminer ce que j'ai à terminer. Mais t'as dit que tu venais pas... Peut-être pas, oui mais bon. Voilà quoi. Moi je comprends que ce que j'ai envie de comprendre. Il saute plus haut ou... Ah oui, d'accord. Des noix, c'est super, je ne sais pas ce que c'est. Marathon, la suite du marathon de Castlevania chez Woody. J'y vais que le samedi parce que vendredi je finis à 22h. Et après je suis du matin lundi, donc je vais pas rester à dormir, je vais faire un... Je vais juste me reposer dimanche. Je passerai faire un coucou. Il y aura un giveaway à gagner. Donc vous venez chez Woody, parce qu'il y aura une broderie à moi à gagner. Voilà, rien que pour ça, tout le monde doit venir. Broderie que je ferai du coup là-bas, parce que je l'aurai pas terminé. Il a des chevilles en acier. Moi je joue pas à Castlevania, donc ça risque d'être cocasse. Ok, il va que je prenne de l'élan. Oh, la perspective! Ça y est, je retrouve ce bon vieux Alundra. Eh, mais attendez, si j'ai plus de magie et que j'ai plus d'élixir pour récupérer ma magie, comment on fait? On est bloqué? Non. Ouais, je crois qu'il a prévu un jeu surprise aussi, mais ce sera pour dimanche. Garde manger. Tu fais, pour que ça ait plus de sens, fais point d'exclamation ronflex, Sine. Salle des punitions de Milena. Salut Kurai. Voilà, c'est une petite commande que j'avais mis à mes débuts de chaîne, que j'ai gardée. Et avec les points de chaîne, je rajoute en fait les propositions. Il y a un petit cooldown de 15 secondes et 10 minutes par personne, pour éviter qu'il y ait trop de spam. Donc tu pourras recommencer là dans pas longtemps, Ronman. Je lui ai demandé de placarder les affiches de recherche de Flynn en ville et il m'a désobéi. Il sera puni de 100 coups de langue de taureau. J'avais pas vu ? Qu'avez-vous fait de toutes ces affiches? Voici qui devrait vous faire parler. Oh, j'avais pas vu. Arrêtez ça, je n'en sais rien. J'ai placardé toutes les affiches de Flint. Jack Frost, je l'ai acheté sur un site japonais. Mais alors là, comme ça, de mémoire, je peux plus te redire le site. Allez, je ne sais pas où se trouvent les affiches, croyez-moi, mais c'est horrible. Et si je reste, genre, plus de 100 fois de coups de langue, est-ce que ça reste... Il est puni ou est-ce qu'il est impuni? Bah, ça, c'est très cringe. Hein. Salut, Cloudfan, ça va et toi?
J'ai commandé des petites bougies LED. Je vais mettre là et du coup ça fera une lumière d'ambiance et tout. Je step up mon stream. Bon, en vrai, elles coûtent cher les bougies, mais elles sont trop belles. Sacré boulot de nettoyer cette cheminée. Je ne peux pas le faire tout seul. Je pense que ça va faire mal Ron Matt, dans le sens où... Alors, je suis vraiment très terre à terre et je réponds premier degré. Hein. Mais tu sais, à un moment donné, si tu finis par te gratter tout le temps au même endroit, et ben ça t'irrite et ça fait mal, tu vois. Donc je pense que si. Lady Milena reçoit un invité aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en alerte rouge. Ne traîne pas trop. Ouais, c'est l'alerte rouge, mais personne ne serait assez fou pour s'infiltrer. Bien sûr, c'est sûr, nous, l'infiltration, en plus, on connaît bien. Vous ne trouvez pas que Milena est incroyable? La manière avec laquelle elle a mis ses pirates à sa botte? C'est vrai, Tom? C'est horrible! Oh, ce Flint est si beau, j'ai récupéré toutes les affiches et je les ai affichées dans ma chambre. Mon Dieu, c'est vous, vous êtes vraiment Monsieur Flint. Donc là, je résume, Alundra 2. Il y a un gars en train de se faire torturer de coups de langue de taureau sous les aisselles parce que les affiches de Flint ont disparu. Et en fait, elles n'ont pas disparu, c'est une fangirl qui les a mis pour mettre dans sa chambre. Et là, elle me demande si je suis Monsieur Flint ou pas. Qu'est-ce que je fais? On peut découvrir des trésors? Pas vraiment, Think or You. Justement, j'ai viré beaucoup de commandes parce que c'était beaucoup trop le zoo dans le chat. Je mets non? C'est terrible. Allez, je vous ai reconnu. Vous êtes Monsieur Flint. Que voulez-vous savoir? La cheminée, si vous passez par là, vous pouvez circuler dans le manoir sans que personne s'en aperçoive. D'accord, ok, merci. Arrêtez de me suivre, madame! La cheminée, alors c'est ça? Lady Milera nous... Non, ok. Personne n'a le droit d'emprunter l'escalier? Personne. D'accord. C'est quoi la cheminée, du coup? En fait, cette salle, c'est terrible ce qui se passe. Attends, je crois que je récupère de la magie si j'ai AFK. Ah, je pouvais pas être soft lock pour les plateformes, regardez. Si j'ai AFK, ma magie, elle revient. Par contre, ma vie, je peux toujours aller me faire cuire un œuf. Hein. Alors, attends, il est censé y avoir une cheminée quelque part, c'est ça? Ah, c'est lui! Vous voulez me rendre service? Il y a une domestique dans la pièce au bout du hall. Allez lui dire que j'ai besoin d'aide. D'accord. Je peux lui dire que les affiches, elles sont dans la chambre de la dame? Oh, le pauvre, et en plus, Flint, il lui dit même pas... Mais non, mais attends, c'est pas là. Mais c'est qui la dame qu'il faut que je lui dise qui... Ah, peut-être la fille qui a volé les affiches? Ah, ou l'autre? Mes accoudoirs, ils sont morts de chez mort. Ouais, c'est ça, c'est pas de ce côté. Merci, merci Sin pour Ron Mad, merci beaucoup. Je
Je pense que c'est là. Quoi ? Comme si j'étais censée l'aider. Dis-lui de me le demander moi-même. Pour qui il se prend ? Eh ben oui, vas-y, parce que moi je dois passer par la cheminée. Toi-même d'abord. Ah, oh, elle était en colère. Oui. Ah, je ferais mieux de m'excuser. C'est une très bonne idée. Rerisaria. Le saligo, où est-il passé? Mais il parle de qui? Ah, je vais l'avoir. Ok, de quoi? De qui il parle? Je pense que je peux pas passer les escaliers encore. Où te caches-tu? Quand je te trouverai, tu auras ta punition. Quand Lady Milena reçoit des invités, ça s'agite ici. Il y a un chien de garde qui vit en dessous. En fait, c'est plutôt un alligator. Enfin, je suis allée le nourrir, mais il avait disparu. Où il est passé? J'en ai aucune idée. Pas vu. Vous l'avez vu, vous? Moi, non. Je peux passer par là, mais attendez, mais qui sont ces gens qui cherchent des... Pitié, je regrette. Ne m'envoie pas à la salle des punitions. Je te donne 50 et tu m'oublies. Ok. Je peux avoir des sous. Je peux revenir et genre regratter 50 balles. Non, dommage, j'aurais essayé. Un type louche? Non, pas vu. Tout comme l'alligator, pas vu. Merde! Bah oui, bah en même temps, c'est de la... Ah, c'est de l'infiltration! On ne voit rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette chose molle et caoutchouteuse? Qu'est-ce que je viens de lire? C'est mon estomac, je suis désolée. Laissez... Comment ça, c'est mon estomac? Comment m'ont-ils trouvé? C'était la cachette idéale. Ah d'accord, dépêche-toi d'avancer directement à ça, des punitions. Ah d'accord, en fait il m'a donné 50 balles et je les ai spotted. J'ai pas compris, mais ok, je crois que j'ai fait avancer l'histoire sans faire exprès. Alors attends, par contre si je dis pas de bêtises, avant que je continue le jeu. Je veux quand même retourner dans la cuisine et je me demande si, comme elle parle de l'alligator, si ça, ce serait pas un raccourci pour en bas. Ouais, c'est ça. Là où il y a les statues. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je repasse, mais je pense que si je me fais choper, je sais pas. Je vais repasser par là où il y avait le gars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Putain, il se passe des trucs bizarres dans le jeu. Mais j'en ai pas fait exprès, Cloud! Je te jure que c'est vrai! En fait, j'ai parlé à un PNJ au pif et tout.
Et en fait, je crois que j'ai fait exactement ce que l'histoire voulait que je fasse pour avancer. Salut Ibri, des coucous. Ah, il y a le point de save et tout. Oh, j'ai un validé. Rond pour valider, croix pour valider. Les deux. J'écrase les données, bien sûr. Je suis très occupée et j'ai tant de ménage à faire. D'accord. Vous n'avez pas le droit d'entrer maintenant. Lady Mélina sera furieuse. D'accord. Bon. Je crois que là, par là, j'y étais pas allée. Très joli petit balcon. C'est tout ? Ah d'accord, ok. Oh, fallait le voir ! Quelle est donc cette sorcellerie de jeux vidéo ? Coffre ? Où ? Où ça ? Coffre sur le balcon ? Ah oui, bien vu ! Ah ouais, le puzzle. Eh ben, bien vu, hein. Franchement, je l'aurais pas vu sinon. Paf! La boussole dans un donjon, ouais, ça sert à rien, je crois, Voight. À part juste te montrer la moitié de ton écran gâché par la boussole. Je crois qu'il y a pas grand-chose. Bon, cinématique cringe ou pas? Parce que là, je crois que je suis dans la chambre de Lady Mélina. Et vos pirates, mes plans ont failli échouer à cause de ces imbéciles. Bien sûr, le baron entendra parler de cela. Et vous avez le culot de venir me le dire en personne. Grâce à vous, mon dirigeable est détruit et ma clé d'arcane perdue dans l'océan. Plus récemment, mon taureau tank a été mystérieusement saboté par vos pirates. Magicien, on me dit que vous utilisez notre symbole de pirate sur votre taureau tank. Votre pitoyable tentative de bombardement de Paco a échoué. Ah, vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit, ma chère. Je vois la princesse Alexia. C'est vrai, elle est où, Alexia? Si vous voulez bien m'excuser, Lady Mélina, nous réglerons ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mephisto est parti d'ici à toute vitesse. J'essaie d'en faire la voix. Je pense qu'il essaie de nous éloigner du baron pour une raison que j'ignore. Ah. Belgar. Laisse tomber, mon garçon. Je plonge mon épée dans tes entrailles. Comment? Toi, tu es... Et ne reviens plus jamais ici. Si je te retrouve,
Je te tue. Oui, c'est fait jeter. Ah, tu es le gamin le plus chanceux que je connaisse. La plupart de ceux qui ont croisé le fer avec Belgar ne sont plus là pour en parler. Ah, c'est bon de te voir perdre. Oh, calme-toi. Tu voulais faire un cri à Link ? La porte ne bougera pas. Super. Vous êtes qui, vous ? Où est-elle ? Où est Alexia ? Où est-elle ? Où est Alexia ? Oh là là. Là, tu reconnais bien la patte à Lundra. En termes d'OST. C'est pas si horrible que ça, un télo. Je m'amuse bien, en vrai. Moi, je m'attendais vraiment à une purge où on va se dire, vas-y, il va falloir qu'on le termine, le jeu, terrible. Et en fait, ça va, tu vois. Bon, par contre, à part les cinématiques et les dialogues où vraiment c'est très cringe, genre la torture du taureau qui doit lécher les aisselles de l'autre 100 fois... Voilà, tu souffles, mais en vrai, ça va. Mieux que les jeux d'infiltration. Est-ce que la princesse Alexia est passée par ici ? Bon, on n'en sait rien, nous. Pas possible ? Eh bien, je veux que vous la cherchiez aussi. D'accord, je suis punie. Bon, ça, c'est allumé, du coup, je suppose qu'elle est là-dedans. En vrai, ça va. Je suis contente de qu'on se soit lancé ce défi-là. Parce que je pense qu'à Lundra 2, je l'aurais jamais fait de ma vie, tu vois. Et il est pas si horrible que ça. Bon. Flynn, tu es de retour. Comment ça s'est passé? Tu es entré dans le manoir de Milena? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te tracasse? Ah, cinématique? Mon Dieu, entre vite, papa. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la princesse Alexia. Salut, super, la robe. Mon perso s'appelle Flint, ouais. Désolé, mais nous ne servons que les pirates. Je vais devoir vous demander de partir. Rendez-vous immédiatement et nous ne vous ferons aucun mal. Ils vont le faire ? Ah oui, d'accord. Didi ! Bon, c'est sympa à faire ensemble, Mishtar, tu vois. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? L'aide, je me tire d'ici ! Bah yes, forcément, hein, ça fuit les problèmes. Hein. Attrapez-la ! Ah, ces types n'ont pas l'air sympas. Flint, tu peux t'occuper d'eux ? Salut, Capi. Non, je trouve que c'est sympa à regarder et à faire ensemble. J'aime bien. Bon bah voilà, gratos. Waouh, merci Flint. Vous êtes à moi, princesse. Ah, oh, c'est pas juste! Vous devez venir avec moi. Jamais, je n'irai nulle part avec vous. Cessez ce jeu, fillette, emmenez-la. Voilà, R4 a rien inventé, hein, regardez. Hé!
Arrêtez, si vous travaillez pour Mephisto, vous savez qui je suis. En tant que princesse de ce royaume, j'exige que vous me laissiez tranquille. Vous avez l'air si vulnérable, princesse. Rendez-vous calmement et il ne vous fera aucun mal. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Merci pour le follow, bienvenue. Viens par ici. Bah les pattes, pas besoin de pousser. Mais attends, j'ai tout shot les autres, et puis là, il y en a encore deux, et au lieu de combattre, ok. Heureux de vous revoir, princesse. Nous nous croisons toujours dans les endroits les plus insolites. Qu'allez-vous faire de nous, Mephisto? Ne craignez rien. Nous allons vous mettre en prison comme votre père. C'est la routine, Margot. Vous allez m'accompagner à Veruna, c'est tout. Pourquoi devrais-je suivre un crapaud inhumain comme vous? Le baron Diaz attend votre arrivée avec impatience. Vous ne voudriez pas le contrarier. Donc on a fait tout le château de Milena pour ne pas rencontrer Milena? Oh, patronne, on a un problème. Eh bien, parle. Milady, mauvaise nouvelle. Parle, idiot. Mephisto et ses prêtres ravagent notre ville. De quoi parles-tu? Il ose attaquer mes pirates sur mon île. Je vais en parler au baron. Belgar, j'ai une question. Pourquoi as-tu laissé ce garçon s'enfuir? Je t'ai entendu prononcer son nom plusieurs fois dans ton sommeil. Ah? J'ignore la nature de tes relations avec lui, mais tu ne t'inquiètes pas pour lui quand même. Quand je suis tombé amoureux de toi, j'ai juré d'enterrer mon passé. L'homme que j'étais n'est plus. C'est mieux ainsi pour nous deux. Pour toi, moi et le garçon. Ah ? C'est son fils ? Imaginez, c'est son fils. Peut-être, hein. Pourquoi on se retrouve en bateau ? Ah oui, parce que le méchant nous emmène. J'aime trop la map dessinée comme ça. Ouais, peut-être Cloud, t'as peut-être raison, hein. Je sais pas. Entrez là-dedans. Ok, ok, j'y vais. Surveillez votre langage, fillette. Alors le Gotti, ça va, j'avance. Toi aussi, tu rentres là-dedans. Qu'est-ce que c'est, un concours de fracasse-tête? C'est quoi ça, un concours de fracasse-tête? Personne dit ça. Fermez la porte. Je dois te poser une question, Flint. Quelle est ta mission et pourquoi poursuis-tu les pirates? Sans transition. C'est vrai, il aurait pu demander plus tôt quand même. Au fait, maintenant qu'on est en prison, t'es qui? Ah bah voilà. C'est ça, c'est son père. Il est... Salut Scorbrut. Finis fondant avec lui. Pouvoir tous nous battre. Oh, Radcliffe, attention. Oh,
Naomi ? Non ! Salut Luffy. Naomi ? Naomi ! Hé, hey, Ratcliffe ! Laisse ton épée, Ratcliffe ! Lâche-la, ou je lui tranche la gorge ! C'était pour rire. Bien sûr que je laisse le garçon. Je ne faisais qu'exécuter mes ordres. Il a dit c'était pour rire. Flint. Tous à la flotte. C'est la pire excuse, mais c'est pour rire. J'en peux plus. Y a rien qui va. Oui, donc je suppose que Belgar, c'est le père de Flint, et puis voilà. Désolée d'apprendre que... j'ignorais ton passé. Mais le passé mène au présent et à l'avenir. N'oublie jamais cela, Flint. Quelle phrase ! Plus rien me choque. Il est temps pour nous de partir, princesse. Suivez-moi. Vous êtes encore plus hideux que d'habitude, Mephisto. Vous finirez par apprendre à me parler avec respect, princesse Alexia. N'y comptez pas, sorcier. L'OST, c'est bien l'OST d'Alundra. Donc ouais. L'OST est trop chouette. Par ici, princesse. Ma chère princesse, veuillez excuser mes méthodes un peu brutales. Elles ont dû vous sembler plutôt abruptes. Mais le baron vous attend avec grande impatience et exige que je vous escorte au plus vite. Vous et moi... allons nous envoler vers la cité royale. Veuillez me suivre. T'as la main qui glitch, hein. Cessez immédiatement. Je suis la princesse du royaume de Varuna. L'alerte de Red. Recevoir du baron Diaz. Trop stylé. Au moment où il s'est mis à parler, j'ai trop stylé. Salut, Tilt. Immédiatement. Salut. Attends, on est dans cinématique. Princesse de Varuna, voyez-vous cela ? Ne me faites pas rire, vous n'êtes rien. Je vais vous montrer ce qu'est le pouvoir. Avec cette clé, je peux faire de vous mon esclave. Un petit chien de compagnie à mes ordres. Merci pour le raid, bienvenue. Ça a été ton stream. Arrêtez ! Laissez-moi ! Flint !
Ah bah voilà, bah yes. Gros moment, hein. Vous arrivez sur un gros moment. Adieu, jeune homme. Je le regrette, mais nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Jetez-le au requin. Yes, on va faire un temple de l'eau, c'est ça? Alundra, il a rien à voir avec le 2, mais alors rien à voir. À part l'OST, y a pas grand chose. Il sait nager, la grande question. Est-ce que c'est le début C'est le début des embrouilles, oui, hasard. C'est vrai? Il est bien? Ok, cool. Vous allez bien? Merci pour le follow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, non, je vous veux aucun mal. Bah, les donjons, ils ont l'air moins chiants quand même que le 1. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, il arrive un truc de fou, donc... Je vais me prendre... Ouais, ça marche, pas de soucis, Tilek. Merci beaucoup pour le raid, pardon, pour l'accueil. T'étais en pleine cinématique, doublée en plus en français, avec des doublages de qualité. Bon app. Surtout écraser les données, bien sûr. Nous, on écrase tout, nous. Ouais, j'ai vu, il y avait la perspective un peu... Je sais que Pony disait que des fois les plateformes étaient pires. Est-ce que je peux rentrer dans les trucs comme ça? Ouais, je peux rentrer dans les grottes, ok. Ah, il y a des blocs transparents. Ah, la vache, ça c'était balèze. Et pour la quête des puzzles, je sais pas, il faut que je trouve le prochain bonhomme. Ça change quoi? D'accord. Ok, et ça a ouvert ici. Celle des WC, c'est fait. Je comprenais pas pourquoi les WC brillaient d'ailleurs à la base. J'ai compris après. Le chat m'a dit, tu comprendras. À partir de la moitié du jeu. Ouais, donc je suis pas à la moitié du jeu encore, c'est ça. Salut Camui. T'arrives sur un gros jeu, hein. Rouge, jaune, bleu. Jaune, rouge, jaune, bleu. Pokémon rouge, Pokémon jaune. Rouge, jaune, bleu. Jaune, rouge, jaune, bleu. C'est bon pour vous? Ouais, c'est dur. En vrai, on se marre bien, mais qu'est-ce qu'il est nanar, le jeu. Je te jure. Après, il est pas si mal, ça va. Au niveau des donjons et tout, on se marre bien. Pas pire que ce que je pensais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a encore une énigme. Ouais, le premier, alors à part certains donjons où tu comprends pourquoi à un moment donné t'en avais ras-le-bol. Je l'ai fait deux fois du coup, une fois en stream, une fois hors stream, Alundra. Et j'ai bien aimé. En fait, j'ai surtout aimé l'histoire d'Alundra. Le 1, il est surtout très cringe. Attends, donc là on a rouge, jaune. Et là, je suppose que c'est bleu. Oh, ça la stun. Bleu, ok. Rouge, jaune, bleu.
Jaune, rouge, jaune, bleu. C'est l'heure de sortir le carnet. C'est l'heure de sortir le chat. Le chat Twitch. Jaune, rouge. Donc alors, attends. Si je suis le truc... Là, c'est rouge, dans tous les cas. Là, c'est rouge. On est d'accord. Jaune. Bleu. Donc, je suppose qu'il faut que je reprenne la pièce après en arrière. Bon, jaune. Jaune, hein. Oui, en fait, faut que je fasse... Mais non ! Mais ils m'ont poussé à l'extérieur ! Bah, en fait, le problème, c'est que le 1, c'était du pixel art. Et le 2, c'est de la 3D. J'espère juste que le fait qu'ils m'aient poussé à l'extérieur... Voilà, et ensuite, il faut que je revienne... Jaune-bleu. En fait, fallait que je fasse des allers-retours. Ça va, c'est pas si dur. La présence d'un macaron aide, ok. En fait, ouais, j'ai plusieurs macarons pour le backseat. Et là, je me suis dit, pour Alundra, on va pas tenter le diable. Je vais mettre aide, ok, pas de soucis. On joue ensemble. Sinon, j'ai aide, ok, aide partielle et pas d'aide. Et là, c'est bon, je crois. Pardon ? Il y a comme eu Alundra de deux personnes. Grave, qui viennent backseat, spoil et tout. Rouge, jaune, bleu. Mais je pense que c'est parce qu'il m'a poussé... Non, en vrai, ça va, il y a des gens qui dans le chat qui ont apprécié le jeu. Donc, rouge. Jaune. Ah, c'est un peu glitché, mais bon. Ensuite, ça fait quoi? J'aime finir le drap. Franchement, si je peux te donner un conseil, fais-le sur émulateur. Parce que à la fin du jeu, pour te dire, je sais même pas comment j'ai eu la patience la première fois de le finir. À la fin du jeu, j'ai fait une save state sur le boss parce que sinon, fallait refaire l'entièreté du donjon pour réatteindre le boss. Du coup, je vais faire une save state parce que... Trop chaud. Parce qu'en gros, c'est un donjon où en fonction des portes, si je dis pas de bêtises, en fonction des portes que tu ouvres, ça enferme d'autres. T'es obligé de faire du backtracking en boucle pour aller ouvrir les bonnes portes pour trouver le bon chemin. Je crois que j'avais pris 3 quarts d'heure en stream et encore connaissant le jeu. Et à la fin, j'ai fait « je veux pas refaire le donjon entièrement, je fais une save state ». Et là, c'est bon ? Normalement, c'est bon, non ? Rouge, jaune, troisième bleu, ouais. Non mais oui, en mode facile, Pony, là j'ai mis le mode facile, hein, sinon je me fais détruire. Remets son CD d'Alundra dans la cave. Non mais c'est un conseil. Et là, je crois que c'est bon, j'ai réussi. Le silence l'emporte toujours. Ah merde. Il fallait pas que je bouge. Ok. Bougez pas, les gars. Vous avez perdu. Bah non, mais vous avez perdu.
Yes. Ah, sur la fin, ouais. Sur... Mais par contre, l'histoire, moi, j'ai adoré. Hein. Vraiment, l'histoire d'Alundra, je la trouve géniale. C'est un boss ? Ok. Dans le 2, dans Alundra 2, il y a des mini-jeux et tout. Il y a des boss et des mini-jeux. Je trouve ça trop cool. Ah, ça n'a pas allumé la mèche ? Si, ça a allumé la mèche. Ok. Ah non, attends, c'est les gens mis. Ok, j'ai compris. Mais arrêtez de m'attaquer en boucle. J'avais réussi à allumer la mèche tout à l'heure, mais aucune idée de comment j'ai... Attendez. Paf, c'est bon. Ok, ça l'a touché un peu. Arrête. Mais n'importe quoi! Ça n'a touché personne? C'est honteux. J'ai pas d'autres bagues, j'ai que celle-là. Comment c'est... Oh là là! Bah oui, mais le jeu, s'il triche aussi... Ça touche pas! La hitbox! Mais attendez! Attendez, mais la hitbox quand même! Je vais mourir en plus avec ces bêtises là! Vache! Pourtant, je suis dessus hein! Bon courage Camille pour le travail, bon courage. Merci pareil. Bah moi je suis en repos aujourd'hui en plus, trop bien. Aujourd'hui, demain, repos. J'attends toujours la boîte à meux, hein. La fille relou avec cette boîte à meux. Bon c'est pas mal là. C'est bon, j'ai compris le concept. Vas-y, en plus je lui ai jeté en pleine poire là. Je vais prendre un petit soin, je vais pas prendre de risque. Tu vois, j'ai pas de. Je crois que j'ai pas d'autres bagues. Attends, il me met le doute du coup. Oh. Permettant de lancer l'attaque éclair. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je peux lancer vraiment attaque éclair ou... Ah non, c'est un sort... Non, non, je peux le faire de base, ça, l'attaque éclair, je crois. Mais non, j'ai pas d'autres bagues pour l'instant, parce que tout à l'heure, il y avait des statues de... des statues d'eau. Oh, il a bougé. Dommage. Merde. Ah, ça l'a pas touché.
Ouais, c'est chaud. De toute façon, je pense que le seul moyen, c'est d'allumer le feu. Et de jeter la bombe sur lui, de toute façon. Je suis censée récupérer une bague avant. Ah ouais, mais c'est peut-être une bague optionnelle, en vrai. Parce que je sais qu'il y a des statues d'eau que j'ai pas pu... tout à l'heure, dans le château de Milena. J'ai pas pu récupérer. Après, peut-être optionnel. C'est du Valtek, ça va et toi? J'arrive pas à faire le timing pour que le feu il vienne sur lui et tout. Il est pas difficile, mais il faut un timing quoi. Alors là c'est pas mal là. Il reste pas, c'est ça qui est chiant. Ah dommage. T'es diamant dans Street, franchement GG. Ouais mais c'est pour Barman, mais avec le truc qui est pas allumé quoi. Ah bah là la mèche elle m'a pas tué. Ok, on peut faire un truc genre maintenir la bombe. Tout à l'heure ça marchait pas, je me faisais toucher. Allez, là ça touche, là c'est bien. Non mais c'est chaud, pourtant je suis sous son ombre en même temps. C'est bien lui qu'il faut attaquer, hein, c'est pas l'autre. C'est pas les petits bonhommes. Arrêtez de m'attaquer. Oh. J'y arrive pas, j'ai pas le timing. Vous avez galéré vous aussi ou c'est juste moi? En fait, je comprends pas. Des fois, je suis carrément sous son ombre et ça prend pas en compte. Tu vois, là, je suis bien et dès que ça va exploser, ça va pas le toucher. Alors qu'il est en dessous. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et là, ça touche. Franchement, c'était chaud. Ok, j'ai réussi. Ça touche parce que la bombe est en l'air. Bah, j'ai pas... En fait, je sais pas trop. Des fois, j'étais sur le sol, ça avait un petit impact et tout. Ouais, c'est ça, Margot, c'est ce que je me suis dit sur la fin, mais c'est pas clair, quoi. Hop. Le jeu est bien ou pas? En vrai, ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à beaucoup pire. Beaucoup plus pire. Est-ce qu'il faut que j'allume ça? Pourquoi il m'a mis une bombe, là? Merci pour les GG. Y'a que ça. Genre j'ai battu un boss juste pour... Ouais, ça devait être en l'air, mais... Je sais pas. C'est chaud, en fait. Le timing était trop chaud.
Entre le temps que tu prennes la bombe, que tu récupères la flamme qui ne te touche qu'une fois sur deux, lui lancer en même temps, en plus du timing de la bombe, c'est pas si gratos. Un peu comme Gabriel Knight. En plus, on doit aller voir le baron. Bon, je crois que j'ai fait la première partie du donjon, je pense. Très cossu. Je fais plus de magie. Ah merde, j'ai utilisé des toniques pour rien. C'est moi. J'avais pas vu que j'avais les toniques. Tu crois qu'il coûte une blinde? Non, moi je pense pas. Alors attends, celui-là, il me fait pop un truc. Et celui-là, un autre truc. Ah oui, d'accord, c'est mangé. Ça, c'est la mécanique des flambeaux dans Alundra. C'est du Greg. C'est bon. Alundra, ça dépend si t'as la carte qui va avec ou pas. 50 euros, c'est ok avec la carte. Mais si t'as pas la carte, bah du coup, malheureusement, c'est un poil cher, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, waouh, ok. Ok, j'ai. Ok, j'ai. Il faut timer. C'est pas du tout le cas. Comment ça, c'est moi qui... Attendez, c'est moi qui ai pris le coup. C'est dégueulasse. Je crois que j'avais le bon timing en plus. Impec. C'est du Mike. Il est jeune. Alors attends, ça c'est quoi, prochain truc? Il faut que je l'emmène où? D'accord. Comment je peux emmener la flamme sans qu'elle prenne? Alors, comme ça, peut-être. Voilà, comme ça. Ah merde, presque. Bonjour de la Suisse, bonjour de France, du coup. Bonjour la Suisse. De toute façon, elle me suit, elle va là où je vais, je crois. Ah ouais. Faudrait que je l'emmène plus par là. Ah non, elle s'est mangée ça. Merci pour le follow, bienvenue. Là, comme ça. Ah ouais, il se mange quand même le... Alors, attends. Là, normalement, on est bon. Salut Blue Sky.
Ah, je savais que je connaissais ton pseudo. Et là, normalement, c'est bon. Prochain truc qui va directement... ouais, voilà. Impeccable. J'ai eu un entretien avec une directrice d'un IME. Oh bah, ça m'étonne pas, Valtech. Ça m'étonne, mais alors... Pas du tout. À mon taf, c'est pareil. Hein. C'est à peine s'ils savent comment ils s'appellent. Hein. Je trouve ça d'un triste. C'est un peu la honte, hein. Attends, on a fait nos pronostics, vu qu'à chaque fois que je joue à un jeu, il sort, ou à chaque fois qu'on parle d'un... On a parlé de Bahamut Lagoon, on a parlé d'un DLC de Théâtrythme, un DLC de Pokémon. Quoique non, le Pokémon, il a ses propres... il a ses propres Nintendo Direct, maintenant. Fantasy Life 2, j'ai dit pour octobre 2023, une date. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Des nouvelles de Suikoden 1 et 2. Ah bah, Mute Lagoon, j'adorerais qu'il ressorte en remake. Alors du coup, on essaye d'avoir du flair pour les Nintendo. Et la plupart des... Et puis comme je viens de finir Earthbound et Mother, ils vont sortir aussi, c'est sûr. Mais bah, Mute Lagoon, j'adorerais. Ah, il faut pas que je croise leur regard, je crois. Bah tu sais, je pars du principe qu'à partir du moment où ils ont sorti Live Alive, je pense que tout est possible, tu vois. Legacy of Kain. On m'a demandé de jouer au jeu pour que ça sorte. On le fera du coup. Non mais je sais pas, j'ai un mauvais timing. Ghost Trick, tu vois, je l'ai commencé. Je crois qu'il a été annoncé la semaine d'après. Du coup maintenant on essaye de faire les voyants du dimanche, tu vois. Bon, il faut pas qu'il me voie. C'est trop bizarre. Alors, comment je peux faire? Parce que là, il faut pas qu'il me voie. Dès que je suis dans son angle de vue, il me retire mon bouton. Je crois que j'ai rien à lancer. À moins que... Non, je pense que les fléchettes, ça marche pas. Récupère 200 PE, donc s'en fiche. Un remake et une trad FR de Final Fantasy Tactics. On en a parlé aussi de FF Tactics ce matin. On va voir. Comment je dois faire? Comment je peux faire? Merci pour le follow, bienvenue. Que quand les yeux sont éteints, tu crois? Ah, j'ai pas l'impression que ce soit ça, Cloud. Attends, je suis bête. Non, mais en fait, c'est tout bête. C'est trop bête. J'avais oublié que je pouvais les déplacer hors de ma vue. L'énigme est toute bête en plus. Ouais, c'est encore plus facile. J'avais oublié. C'est après, je me suis dit magie verte, bonhomme vert. A plus Valtech, bon sport. Oh non! Sérieux? Ah ouais, c'est plein de petits boss tout pareils. Ah, par contre, c'est autre chose, là. C'est encore pire. Bon, ceux-là, au moins, ils sont déjà allumés, ceci dit. Ce sera peut-être plus facile. Oula. Ça va, Kira? Je sais plus si je t'ai dit bonjour. Chaud, chaud. Le temps que j'attrape le truc et tout, l'animation est trop difficile. Oh,
comment je peux faire. Là, il est trop éloigné, le boss. Ah, j'ai réussi à le toucher. Il y a du rab. Attends, parce que j'ai l'impression qu'il faut faire plus de 4 salles. Ah, mais attends, ça a rejeté un truc, je crois. Je crois que ça a rebondi. Ah, bah, je l'ai eu. Ouais, bah, c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas cette histoire de timing de... d'allumer le truc et ensuite de lui jeter dessus. Donc, c'est bon. Merci pour les GG. Un pack. Encore une noix. Une clé, ok. Je pense que c'est celle qui ouvre la porte. Et un tonic. Prête pour le Nintendo Direct? Ouais, je regarderai ça. Ouais, si, j'ai l'impression qu'il y a eu une réaction en chaîne. J'ai eu l'impression, tu vois, ça, c'était bizarre. Ça m'a paru moins dur, du coup. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai fait 2 salles sur 4, il me semble. 13h26, ça va, ça me laisse le temps de... continuer un petit peu, 1 heure, max. Je suppose que ça ouvre ça, en fait. Ouais, c'est ça. Hop. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas fait les 2 du fond. Ah, mais en fait, il y a un point de save ici, c'est encore mieux. Bah oui, mais moi, je veux Fantasy... Je te jure que je veux Fantasy Life 2. J'adore ce jeu, c'est vraiment genre trop bien. C'est mignon, tu peux jouer en coop, tu peux faire tout ce que tu veux dans le jeu et tout, c'est trop trop bien. J'espère juste qu'il sera pareil que celui sur 3DS, quoi, et que ce soit pas un truc différent. Ah non, celui-là c'est fait, je crois. Ah non, j'ai commencé le niveau, mais je l'ai pas continué. C'est ça. Ça me permet juste de voir où est l'ennemi, mais en vrai, vu qu'il est... Donc ça va. Si c'est que de la baston d'ennemis invisibles, en vrai ça va, ils mettent les sprites... On les voit. Ah! Pardon, je l'ai éliminé. Peut-être, effectivement, ils vont réannoncer des jeux en physique, tu vois. J'ai l'impression que le démat commence à primer de plus en plus. C'est quel jeu, déjà, qui va sortir, là, qui est vraiment qu'en démat? Enfin, si je passe par là... Ah mince, j'y étais presque. Genre Alan Wake, ouais je crois que c'est Alan Wake. Je trouve ça dommage, après moi je suis team boîte donc c'est vrai que je trouve ça dommage. Ah, je bouge. C'est de ma faute. Bah après, le problème du démat, c'est que ça va faire comme le shop 3DS où, à bout d'un moment, c'est plus à toi, quoi. Ah, oh, c'est chaud. Attendez, j'ai peut-être plus facile, en fait. Si je l'emmène là. Ouais, si, c'est plus facile comme ça. Hein, je suis coincée. C'est quoi ça qui me bloque? Ah oui, si c'est lui.
Attends, je me mets bien comme ça. Comme ça, il fait pas la diagonale. Ça m'a perturbé, là, le changement de... Oh! Non, bah, je sais pas. Je pense que c'est comme ça. Comme ça, de toute façon. Ah, presque. Et après, faut que je me mette derrière. Faut que j'arrive à me mettre derrière. Ah, il s'est mangé le coin du truc, là. À chaque fois que je crois que j'y suis pas, j'y suis, en fait. Un Wario Maker, pff, tout est possible. C'est vrai que Mario, on en a pas eu beaucoup ces derniers temps, donc... ce serait pas impossible. Voilà. C'était tout bête. Il fallait juste que je... que j'évite de me bloquer dans le décor. Envolez-vous et quittez cette terre. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me montre quoi ? Envolez-vous et quittez cette terre. Je doute que ce soit ça. Alors, c'est quoi cette énigme ? Alors là, j'ai pas. Ouais ? Ouais, vas-y, Pony. Ah ! Ça, c'est un truc que je... D'accord. Ça, c'est un truc que je croyais que c'était un bug de perso. Parce qu'en fait, des fois, quand je faisais mes plateformes, il faisait ça déjà. Et je me suis dit, bah, en fait, il est bugué. Et en fait, c'est pas un bug. D'accord. Ouais, bah, tu vois, j'ai trouvé, du coup. Mais c'est uniquement parce que je croyais qu'il était bugué tout à l'heure et que je viens de me rappeler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? C'est quand la bague est équipée. D'accord. C'est Peter Pan. D'accord. D'accord. Oh la vache, je me prends du 60 là. Je l'ai eu ? Je crois que je l'ai eu. Ok. Bon, tant mieux. La thune. Les noix. La clé. Et le tonique. C'est ça. Shadow Drop de Silsong à la fin de l'année, je pense. Je le sens pas là. Un nouveau F-Zero Garou Mark of the Wolf 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Shadow Drop de Metal Slug Tactics. On va voir.
Enfin non, c'est un nouveau Pokémon développé à l'arrache. En vrai, on arrive bientôt à la fin de l'année. Y'a moyen, hein. Arceus 2. On l'a refait pour vous. Arceus 2. Mais c'est ça, il y a un Pokémon par an. L'année dernière, ils nous l'ont annoncé à cette période-là, je crois. C'est le cadeau de Noël tous les ans que j'offre à mon petit frère, ça, le nouveau Pokémon. Pokémon Donjon Mystère ? Possible. J'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles du Monster Hunter Pokémon Go, là. Est-ce que tu crois qu'ils vont annoncer ça ? Pas du tout, hein. Comment je change Ah, voilà. Il me manque une salle. Alors, attends, ça c'est l'entrée. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme salle? Celle-là, je l'ai faite, je crois. Un Virtual Boy 2. On verra. Une Switch U, une Switch Pro. Je vois pas la salle que j'ai pas faite. Celle-là, elle est faite. Des coucou, Evan. C'est celle-là? Non, je l'ai faite, celle-là. Laquelle j'ai pas faite? Celui d'Akin. Laquelle? En face, peut-être. C'est exactement ce qu'on s'est dit il y a 5 minutes, Evan. Ce serait un truc de fou. Genre, vraiment. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, j'ai trouvé ma salle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, ça c'est la salle de jaune-rouge. Attendez. Le silence l'emporte toujours. Non, j'ai fait ça. Bah. Je trouve pas la dernière salle qui me manque pour finir le donjon. Alors attends. Celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est faite. Alors il me manque celle-là. Ah oui, il me manquait celle-là. Ok. Ah, faut que je fasse tomber le truc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire un escalier, non? Ah! D'accord. Ok, j'ai...
un petit FF Explorer. Oh, un FF, vous savez le FF Monster Hunter là, qui est trop chouette. Oh oui. Oh là là, oui, il y aura ça aujourd'hui, c'est sûr. Le FF Monster Hunter. Oh, j'achète direct, c'est trop bien. Oh, j'arrive pas à faire mon escalier. Ah, mais attends, je peux pousser encore plus, en fait. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Hop. Bon, je suppose que ça va être la salle énigme de faire des escaliers et tout pour progresser. Bingo. Ok. Alundra, c'est impossible. Alundra, c'est PlayStation. Oh, tu sais, des fois, ils annoncent c'est disponible à partir de maintenant. Ouh. Ça va, c'est un peu gratos. Voilà, ça va. Pas besoin de se casser la tête. Ify Rush. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je peux déplacer les carrés, mais j'ai pas l'impression que je puisse les empiler. Oh oui, d'accord. Salut, Ipicta. Epic tac. Pardon. Sur Switch, je sais pas s'il est sorti sur Switch. Peut-être en version PlayAsia, c'est pas impossible. Oh, j'ai plus de mana, faut que j'attende. Bon, je discute avec vous du coup. Ah, c'est lent, hein? Si, si, peut-être en version PlayAsia, il existe déjà. Ah, dommage, j'ai plus de mana. Attends, je vais pas m'embêter. Je vais prendre une noix. De toute façon, il me donne des noix exprès. Voilà, impeccable. Voilà. Ensuite. Comment je peux faire avec celui-là? C'est impossible là que je saute d'ici. Je comprends pas l'énigme. Lui, il monte très haut et lui aussi. Et je peux pas monter, tu vois. Je peux pas refaire un double saut après le petit vol ? Là, c'est impossible, là. Il faut que je me serve du troisième. C'est trop bizarre.
Il y a moyen de faire... Il y a moyen de, d'arnaquer le jeu en faisant ça. Ça marche, Pony. Courage pour le boulot. Courage, courage. Je comprends pas. Bah non, parce que je peux pas sauter après. Je sais pas. Je sèche. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Vous avez le droit, au contraire. Bah, le truc, ce serait que moi, je sois mon propre escalier, mais c'est pas possible. Ils ont pas l'air d'être déplaçables. À moins que... Ouais, bah non. Ouais, faut empiler les trois, mais je vois pas comment je peux faire, Pony. Parce que y en a deux qui se déplacent en hauteur et l'autre qui se déplace partout. Ça, je peux pas le pousser. Tu peux déplacer deux cubes empilés en même temps, mais j'y arrive pas. C'est ce que j'essayais de faire là, depuis tout à l'heure. Empilé, hein. Ah, faut peut-être qu'il soit bien empilé. Ouais, ils ont gardé la même musique. Merde, ça l'a remis en diagonale. J'attends de régénérer mon mana un peu. Ok. Mais est-ce que là, si je le si je peux pas pousser les deux là? Un Pony en plus tu dois aller travailler donc. Si c'est bon. Bah, tout à l'heure j'avais essayé. On est d'accord que j'ai essayé tout à l'heure, non? Bon, ok, c'est bon. J'ai compris. Ça va le faire. Ah oui, mais ça le fait... Ouais, voilà, ça le fait sauter. Faut que je fasse super gaffe, en fait. Oh, faut que je fasse super gaffe. Ok. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse en sorte. Salut Kalios, merci pour le raid. Bienvenue. Bonjour Micron. Que faisiez-vous de beau? Je suis en train d'essayer de pousser un cube, moi, c'est très passionnant. Salut Syra. Salut Kalios. Ça a été le stream? Nous, on est en train de galérer sur un bout de pilier, et Alundra 2 était l'objectif 5000 followers de la chaîne. On pensait que ce serait une maxi-purge. Ma foi,
Ma foi, il est pas si mal. Regardez le Super Sentai. Nice. Matina Super Sentai. C'est bien. C'est pas grave, t'inquiète. En même temps, j'ai des horaires un peu random. Avec un boulot, avec des horaires un peu random. Donc en vrai... c'est ma foi pas évident. Ok, donc maintenant, l'objectif là, c'est d'arriver à lever ce truc là, à me mettre de côté. Oh, ça va être trop chaud, attends. Je vais me redécaler. Comme ça. Je vais y arriver, hein. Bon, en fait, mon cube ici, il est trop mal engagé. Il est mal engagé, mais il est bien pour faire un petit escalier. Oh bah voilà, j'ai ruine. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non mais la Regen Mana, elle est hyper longue en plus. Bac plus 12 à Lundra. Mais déjà le 1 il était comme ça, il fallait avoir bac plus... bah non. Non, j'ai réussi à le finir sans avoir le bac, donc en vrai... En vrai ça va. Merci, merci Margot. Donc, là c'est un peu mieux. Va pas trop par là s'il te plaît. Bon, si ça m'arrange. En vrai, ça m'arrange. C'est bien, bravo. Là, c'est bon. Oh, punaise. Là, c'est bon, là, c'est bon. C'est pas mal, là. En fait, j'essaie de me convaincre. Si, je sais. Ensuite, il faut que je pousse... Oh, j'ai plus de mana, trop tard. Je l'ai fini ce jeu, mais c'est ton cerveau qui te protège. Ah, aïe 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 aïe. Ah, toutes mes noix là, je les ai dépensées pour ça. On va y arriver. Hein. Donc, je vais me mettre là. En fait, le but là, ce serait. Que je fasse un escalier, mais dans l'autre sens. Mais c'est terrible. En fait, je vois ce que je dois faire, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Et en plus de ça, voilà. Et en plus de ça, j'y arrive pas. Oh non, j'ai coincé l'autre maintenant. Arrête! C'est un jeu de mort. J'ai quoi? Non! Oh non! Mais non, j'ai coincé mes cubes là pour de vrai? Oh, c'est pas possible. Quoi? J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ok. C'est bon, je suis bien placée. Let's go. Let's go. Pff, eh ben c'est, franchement, c'était laborieux. Vivement le prochain niveau. Je me demande ce qui m'attend. Merci pour le GG. Oh là là. Mais je me fais enchaîner par des... Je déteste les chauves-souris dans les jeux vidéo, sachez-le. Vivement l'énigme du donjon de fin. Voilà. Là tu sens que c'est Alundra et hante ce jeu. Hein. Tu sens, là. C'est vrai que la perspective étrange du 1 était... c'était pas fou. Hein. C'est tout?
Fallait juste tuer les chauves-souris. Bah en vrai, let's go. Ok, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est quoi ce flash lumineux là? C'est nouveau? C'est nouveau! Oh bah pourquoi pas, écoutez, hein, plus rien ne me choque maintenant dans le milieu du jeu vidéo rétro. Le boss de fin, vivement le boss de fin. Ça, les cinématiques me manquent presque. Pardon, je bégaye en plus. Ce jeu me fait bégayer. Voilà le sacrifice d'un homme. Ce n'est que le début du donjon, hein, je tiens à préciser. Hein. Voilà, redonne-moi mon mana. Quelle heure il est? 13h56, ça va. J'ai un petit peu de temps encore. Donc là, je vais me soigner, je vais sauvegarder et bah, on va continuer un petit peu. Je sais plus où faut que j'aille, du coup. Je sais plus quel était l'objectif du donjon. Donc là, on est bon. Une petite save, parce que quand même, c'était une catastrophe. Je souhaite écraser les données. Hop. Faut que je corrige cette horrible faute sur vinyle. D'ailleurs, je sais même plus si elle est encore en précommande ou pas. Sur le Konami Shop. Ah ! Cinématique ou pas ? Cette côtelette est délicieuse. C'est vrai, moelleuse, juteuse et légèrement fumée. Qui est là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui êtes-vous? Comment avez-vous trouvé notre base secrète? Les enfants, que signifie ces cris? Tonton, ce type louche vient d'arriver. Monsieur Flint, comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Sold out, ça m'étonne pas. C'est pas du tout le même héros que dans le 1 laser. Pas du tout. Monsieur Flint, pardonnez ma question, mais comment avez-vous trouvé notre QG des enfants de la couronne? Je sais même plus, tu sais, les énigmes là m'ont retourné le cerveau. Quoi? Mephisto a pris la princesse Alexia en otage? Ah oui, c'est vrai. Et vous dites qu'il exécutait les ordres du baron Diaz. Oh, c'est horrible. Qu'allons-nous faire? Quoi? Pourquoi le baron Diaz ferait-il une chose pareille? J'ai toujours su que Diaz était un escroc. Il s'en tirera pas comme ça. On doit faire quelque chose. Libérons la princesse et reprenons le trône de force. Pour la couronne. Pour la couronne. C'est qui, eux? Enfin, Prunwell, je vois qui c'est, mais... Qui sont ces nouvelles personnes? J'ai suivi l'odeur du barbecue. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Oh, c'est pas vrai, encore les canards. Attention tout le monde! Préparez-vous à l'attaque! Sauvons le roi! Ouais! Je comprends pas ce qu'ils disent. Ah, mais c'est eux les canards en fait! C'était des gentils, d'accord. Oh la vache, j'ai le mal de mer rien que de voir la cinématique. Oh,
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils nous mettent des panneaux de scène, on comprend rien. Vous êtes en état d'arrestation par ordre du baron Diaz. Comment osez-vous? Laissez-moi sortir. Relâchez-nous, je vous ordonne de nous laisser partir. Taisez-vous là-dedans, bande de caniches à leur même air. C'est quoi cette insulte? Bande de caniches à leur même air, j'en peux plus. À l'aide. Relâchez-nous immédiatement, je suis Prunewell et j'exige que vous nous libériez immédiatement. Silence là-dedans! Vous allez regretter! Allons-y! Mais je suis un prince, comment peuvent-ils m'emprisonner dans mon propre royaume? Je veux voir la princesse Alexia! Je ne pensais pas que le baron Diaz aimait le pouvoir à ce point! Salut coup de poteau. Quand tu fais le doublage, bah j'essaye de faire vivre un peu les jeux parce que sinon c'est tristonné, tu vois. Par ici, imbécile. Vous, je vous parle. Ne me faites pas entrer là-dedans. Bougez-vous, le baron Diaz attend. L'histoire était écrite dans la notice. Ah, c'est vrai, peut-être. Ainsi, vous êtes Flint. Vous êtes beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez peut-être entendu parler de moi. Je me présente. Je suis le baron Diaz. Ah, Flint! Ah, elle vous dit de courir. C'est mignon. Je crois qu'elle tient à vous. Oula. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça lui aurait fait mal si elle l'avait pris sur la tête. Et écoutez-moi bien. Si vous voulez sauver la princesse, vous allez faire ce que je vous dis. Du calme, ma princesse. Alors déjà, il l'appelle ma princesse. Ça ne va pas. Vous voyez cette boule de fer hérissée de piquants? Imaginez les dégâts qu'elle peut causer à sa tête. Juste en dehors de Varuna se trouve la ville de Guaba. Là, vous rencontrerez un certain Nunugi. Suivez ses instructions ou je lâche cette boule sur la tête de la princesse. Comment parodier un jeu qui est déjà une parodie? Ouais, c'est vrai. Mais où je suis? Mais où je me suis téléportée? C'est qui, Nunugi? Le jeu, il nous dit rien du tout. Allez, salut mon grand. Ok, j'ai au moins le point de save, 14h03. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, pardon, c'est là d'où je viens, d'accord. Ah d'accord, c'est comme ça que j'ai traversé la suite. Il m'intrigue trop le petit ossatueur là-haut, là, le petit osselet en train de se noyer. Ça marche, Margot, bonne sieste. Repose-toi bien. Bah, de toute façon, j'arrête vers 14h, 14h30, là. J'essaie d'avancer un petit peu, et puis... tu vois, il y a le village et tout. Je visite un peu, et puis... et puis je coupe. Maison de Roswell. Ah, une maison... mystique. Ah, mais non, attends, ce village, je l'ai déjà visité, en fait. Il me semble... Ah, peut-être pas. Qui êtes-vous et que vous me voulez? Que vous me voulez? Que me voulez-vous? Je suis un homme très occupé, savez-vous? Et si vous n'avez rien à faire ici, hors de ma vue? Bah, je sais pas, mais je dois avoir sûrement un truc à faire si tu existes, PNJ. Oula. Et si vous n'avez rien à faire hors de ma vue? Je caracole les gamins là qui rentrent dans ma maison. Attends, j'ai envie de l'énerver encore.
ok. Mais attendez, il tape... Et c'est au bout de 5 fois, peut-être. Merci, Sincoryu, pour le sub. Merci beaucoup. J'espère que les emotes te plairont. Non, bah non, y a rien. En fait, j'énerve juste Papy. Mais c'est pas bien d'énerver Papy, hein. Ville de Guaba. Ok, bon, je suppose que Papy, il faudra aller le voir plus tard. Un albède. Êtes-vous Flint? Voici les ordres du baron. Flint exécute les ordres du baron. Les ordres du baron stipulent « Trouvez l'homme à la main crochet ». Capitaine Crochet, vous avez raison, c'est Peter Pan. Bonne chance, mon garçon. Ne faites pas attendre le baron, il est extrêmement impatient. Qui c'est qui spoil le jeu vidéo depuis tout à l'heure, là? Je vous vois, hein. Vous avez un peu trop raison pour que ce soit du pif, hein. Je plaisante, hein. Pour aller à Guaba, prenez cet ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Ok. C'est parti. Toit de la mairie. Pourquoi on a accès au toit de la mairie et pas à la mairie? Quel étage, monsieur? Si on est sur le toit, j'en sais rien, premier étage? Pourquoi on arrive sur le toit de la mairie et on descend après au premier, au rez-de-chaussée? C'est trop bizarre, ce village. Un type à main de crochet? Non, je l'ai pas vu. Allons manger à ce restaurant aujourd'hui. Ce Wan Peter a l'air bon. Wan Peter. Bizarre. Bienvenue dans notre restaurant. Nous faisons les meilleurs Wan Peters de Guaba. Mais qu'est-ce que c'est un Wan Peters? Une main crochet? Jamais entendu parler d'une chose pareille. Un crochet? Non, jamais vu personne avec un crochet à la place de la main, non. D'accord. Pourtant, ça se remarque assez facilement. Depuis que les touristes ne viennent plus, les affaires vont très mal. En même temps, on doit accéder chez toi par le toit du de la mairie. Ne va pas plus loin dans ta réflexion, hein. Ok, j'ai encore un point de save ici, au cas où. J'écrase les données. Je visite un peu le village. Comme ça, on n'a pas ça à faire en début de stream. On ira droit au but. Est-ce qu'ici j'y suis allée? Je crois. Ah non, j'y suis pas allée, ok. Un homme avec un crochet? Oui, je l'ai vu, il avait un grand gamin avec lui. Ils sont allés à l'auberge. Un grand gamin? Qu'est-ce que... Oula. Un type avec un crochet? Ah, jamais vu. Alors, toi, t'es à 50 mètres de la dame. Qui l'a vu, mais pas toi. Maison de peau. Non, un homme avec un crochet. Bon, j'ai jamais vu personne avec un crochet à la place de la main, jamais. Ah, un coffre puzzle. Il y a une pièce de puzzle là-dedans. Si vous le voulez, je peux vous le laisser pour rien. En échange de tout votre argent. Tout votre argent. Alors, je vais aller tout dépenser chez le marchand. Et après, je reviendrai te voir. Non mais... Pas folle à guêpe. Ah!
toujours plus d'argent. Chercher un capitaine? Ouais, elle a dit qu'il était à l'auberge. Enfin, elle a dit qu'il était à l'auberge. Je crois que c'est ça l'auberge, non? Non, c'est une boutique. Je sais absolument pas lire les hiéroglyphes de chez Alundra. Je cherche quelque chose, bien sûr. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. Je crois qu'il y avait un quart de cœur à récupérer dans l'ancien village. Et je l'ai pas récupéré. Un bouclier titan. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller éventuellement récupérer ma pièce de puzzle. Ça marche, Kerkla. Bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi. Moi, c'est pareil, je vais pas tarder. Je visite un petit peu le village et j'achète ce qu'il y a à acheter. Boutique d'articles, maison de sous, maison de José. D'accord. Vous imaginez, vous habitez dans un village et il y a un panneau qui indique directement où vous habitez. Maison de Anthony, maison de Adrien, maison de Céline, maison de... Waouh. Un homme avec un crochet, je m'en souviendrai. Attends, mais j'ai l'impression de... Tout ce village me croit absolument pas. Un homme avec un crochet? Oh, je l'ai vu il y a peu de temps. Ben voilà, ben, il communique même pas dans cette maison. Encore? Trop cool. Ah. Ah. D'accord. Pourquoi faire? Pourquoi faire ici? Après, c'est pour une pièce de puzzle, ça vaut le coup. Allez, on fait l'énigme, après je vais sauvegarder. Je pense qu'il faut que j'arrive à passer la bombe pile poil là-haut. Ça va péter le machin, je vais récupérer le tonneau. Pas du tout, mais pas du tout. Le toit, c'est peut-être pour aller plus vite. Oh, genre! Mais genre! Ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut faire. Je suis pas censée avoir une bague de feu à ce stade du jeu aussi. Si ça se trouve, c'est pour ça que je peux rien faire. Non, ce serait trop facile si j'avais la bague de feu pour allumer le truc, pour allumer la mèche. Oh là là. Je crois qu'on va pas faire le puzzle, hein. Ah, mais à chaque fois, ça glisse un peu et ça s'arrête. Vous voyez une autre solution au truc ou c'est ok comme ça?
J'ai même pas l'impression que ce soit ça qu'il faut faire. Une mini-trace sur le plancher ? Là ? Une texture mini-trace sur le plancher ? Ça ? Non, mais je crois que c'est pas... Pourquoi je lance pas la boule de moins loin ? Parce que... elle va trop loin après avec de l'élan. Tu la lancerais où, toi, Voight ? Tu la lancerais où, toi ? Là ? Là, avec la trace, sur le plancher ? Le problème, c'est qu'elle est bien parallèle au tonneau, tu vois. Salut Arsène. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Bon lurk, y a aucun problème. Ouais, je pense pas que ce soit un repère... Ok, j'ai pu la récupérer. Toi, tu la lancerais d'ici ? Là, je suis au cac. Je suis carrément au cac. Juste nickel avant, rien. Le problème, c'est que je peux pas prendre d'élan, en plus. Oh, j'y ai cru. Allez, ça... Allez, mais arrête. Aïe, aïe, aïe. Presque. Bon, allez, je retente une dernière fois, sinon je vais aller save et on retentera en début de stream, le temps de se dire bonjour. La semaine prochaine, je streamerai d'après-midi... Mardi, mercredi, jeudi. Après-midi. Donc je recaserai à Lundra très certainement mercredi la semaine prochaine. Ah, je vois pas du tout. À moins que ce soit pour plus tard, on aura une bague de vent ou je sais pas. On va laisser ça de côté, c'est pas grave. Si ça se trouve, c'est pas possible. Il y a quoi là ? Ok, je reviens. Il y a quoi par là ? Maison dessus. Sous. Un type avec un crochet ? Comment ça ? Comme un pirate ? Comme un pirate. Un homme avec un crochet ? Maintenant que vous le dites, j'ai vu quelqu'un comme ça en ville. Ouais, donc la personne est bien en ville. Une main crochet, mais j'ai jamais vu ça. Le gars, il questionne les enfants. Pour leur, ça leur fait bien flipper. Ok, et là, je reviens encore sur un toit. Ça, c'est que des pièces de puzzle ? Mais il y en a combien dans ce village ? Truc de fou ! Il y en a au moins deux que j'ai ratés là, dans le village, et un que je viens de récupérer, donc... Alors ça, c'est l'auberge, elle est de l'autre côté. Voyance, maison du maire, maison de la vieille Linda. Maison de la vieille Jessica, mais c'est trop sympa. Je vais repasser chez Linda pour aller save. Alors comment on repasse chez Linda ? Par là, je crois.
quoique il y a un point de save ici, il me semble. Mais j'y suis allée, là. Ouais, l'église a donné beaucoup d'argent à cette ville. Dit-on. On peut même pas causer avec ces crétins, c'est rien qu'une bande de débiles, si vous voulez mon avis. Papy les vénère. Qu'est-ce que c'est que cette réunion, là? On a besoin des dons pour réparer les ponts et les routes. Bah, je viens de tout donner, là, donc... Allez, dites-moi, où est Papia? Pardon. C'était quoi cette voix? Désolée, mais je n'en sais rien. Vous ne savez pas? Parfait. Où est Albert, alors? Désolée, mademoiselle, nous ne surveillons pas tous ceux qui passent ici. Vous ne servez à rien. Comment? T'es encore en vie? T'es un dur à cuire, toi. Eh bien, c'est parfait. Albert est parti chercher une auberge, mais il est introuvable. Ah bah c'est ça, l'homme avec le crochet, c'est Albert, ok. Je m'en doutais, tu es tout aussi inutile. Excusez-moi pour ce problème de voix. Ok, et donc je viens d'ici, mais je l'avais pas vue, elle, à l'accueil. Mais ouais, je pense qu'il me faut un truc de feu. Un crochet, je l'ai vu, il a descendu la rue tout à l'heure, ok. Il y avait un point de save ici, je crois, non? Ok, élixir. J'ai perdu mon point de save! Salut, t'es sûr? Non, pas du tout. Donc là, ils l'ont vu. Je suis désolée, je ne sais rien, mais mon mari a une réunion à la mairie de Guaba. Pourquoi ne pas lui poser la question? Ouais, mais j'en viens. Quoique, tu me diras si j'étais parlé à ce PNJ. So, no, teacher, don't speak English in a stream. But you are welcome. Of course. J'en oublie mes bonnes manières. Merci Arsène. Bah, j'ai perdu mon point de sauvegarde. Il y en avait un dans plein de maisons. Et je l'ai perdu. Est-ce qu'il y en avait un là-dedans? Maison de Pau. Non, je crois que Pau me permettait pas de sauvegarder. Ah bah attends. Elle m'a dit donne-moi tout ton argent. Vous pariez combien qu'elle va me demander 1000 balles ou... Et Remargotte, ah oui c'est vrai que tu fais des siestes éclairs toi. Voilà, j'ai un peu moins d'argent parce que 1800 balles, ça m'aurait vraiment embêté de lui donner. Sachant que c'est trop dur d'avoir de la thune dans ce jeu. Ok, j'aurais moins récupéré ça. Bon, je cherche un point de save. C'est pas indiqué normalement les points de... Ah, ici, il doit y en avoir un. Faudrait pas que je dorme trop longtemps, je pourrais en gonfler et baver, j'avoue.
quand tu dors trop bien comme ça. Hop là. Allez, normalement j'ai un petit point de save. Yes, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Souhaitez-vous écraser les données enregistrées? Oui. Données enregistrées. Eh ben, impeccable. J'aurais bien avancé. J'aurais bien avancé.
T'as bien raison, moi je peux pas dormir le matin. Hier, j'étais réveillée à 6h moins le quart. Je me suis levée, 6h moins le quart. Ouais, c'est un nanar, un vrai nanar.